proclame-le, proclame-le. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh, il marchait. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous t'élevons. Nous te disons merci pour ta fidélité. Que l'honneur te revienne et que la gloire te soit rendue. À toi, nous voulons rendre tout honneur et toute gloire. Et à toi, nous voulons adresser nos acclamations, Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Je sais que beaucoup sont un peu déphasés parce que le programme est inhabituel. Alléluia. Alors ce soir, frères et sœurs, le programme est différent. Et nous avons un privilège ce soir. Nous recevons ce soir un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Je sais que vous le connaissez, mais il est important que je puisse l'introduire afin qu'il nous donne la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu qui va nous donner la parole de Dieu ce soir, il est le modérateur de l'apostolat catholique sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alors, j'ai nommé donc le modérateur Abraham-Marie Pio. Je te prie d'acclamer le Seigneur pour recevoir son serviteur. Tu peux acclamer Jésus.
Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu regardes deux, trois personnes et que tu dises à deux, trois personnes, c'est toi le choix de Dieu. Que tu dises à deux personnes, c'est toi le choix de Dieu. Alléluia. Je veux t'inviter humblement à te tenir debout, s'il te plaît. Je voudrais, avec ta permission, qu'on puisse, avec le cœur, reprendre ce cantique qui est passé, ce beau cantique-là. Et pendant ce temps, si tu es à gauche, tu vas aller à droite, saluer tous ceux qui sont à droite. On va attraper ceux qui n'aiment pas saluer. Si tu es à droite, tu vas aller à gauche pour dire à quelqu'un aussi, c'est toi le choix de Dieu. Et pendant que le cantique sera en train de passer, chaque personne que tu seras en train de saluer, tu seras en train de transmettre la foi, tu seras en train de transmettre la grâce, la faveur, la guérison, les malades guérissent, les sourds entendent, les boiteux marchent. Dis-lui, c'est toi le choix de Dieu. Dieu t'attend pour ce mouvement. Dieu t'attend. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre quand il descend. Acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer l'Emmanuel, le fils de Marie, le roi des rois? Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis sur le trône, celui qui dit et les choses se passent, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, celui qui crée, celui qui donne vie, celui qui rassemble le monde,
le porteur de la vision. Est-ce que nous pouvons donner gloire à l'agneau ce soir? Oh Jésus! Alléluia! Regarde encore ton voisin, dis-lui, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Ce dimanche est un dimanche exceptionnel. Ce dimanche est un grand moment. Parce que Dieu me fait la grâce d'être présent parmi mes frères et mes sœurs. Mais la joie est encore plus grande de savoir que pour cette lourde charge, parler à des personnes, enseigner chaque jour comme vous, est une pression supplémentaire. Il y avait dans la Bible un monsieur qui s'appelait l'eunuque éthiopien. Un autre s'appelait Philippe. L'eunuque éthiopien avait la Bible, il était baptisé, il était confirmé. Il était sûrement habitué à tous les sacrements. Il aimait prier. Mais il n'avait pas une claire vision de sa vie. Il savait que Dieu l'avait appelé. Mais il ne savait pas où est-ce que Dieu le conduisait. Le Seigneur va révéler à l'eunuque éthiopien. Le Seigneur va créer un contact entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Et va pousser Philippe à aller vers l'eunuque éthiopien. Il va prendre sa propre Bible. Il va lui expliquer. Voici le fond, le fondement. Voici l'esprit de ce que tu es en train de lire. Et l'eunuque éthiopien, maintenant éclairé, joyeux, content, va dans sa nation avec quelque chose de plus. Ce matin, je me présente à vous comme cet eunuque éthiopien. Nous sommes dans une marche avec Dieu, mais la vision dans cette marche ne peut pas être claire, limpide et facile si nous ne soumettons pas nos visions à des mentors. La rencontre avec certaines personnes vous facilite la vie. La rencontre avec certaines onctions vous plonge dans votre propre, votre vraie onction. Tu peux avoir un habit et puis ne pas savoir le porter. Ton papa peut te dire, habit ça, c'est dimanche on porte. Tu peux porter ton propre habit le lundi jusqu'au vendredi. Mais à partir du jour où tu portes l'habit selon les conseils de ton père, tu rentres dans une nouvelle saison de gloire. Ce soir, je voudrais encore honorer, bénir le Seigneur pour la vie de notre mentor et de sa femme, de toute son équipe. Je voudrais qu'ensemble, on puisse dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, Mathias Marie, pour la vie de notre maman, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa faveur, sa grâce, ses prières, ses orientations, sa vision pour cette nation, sa vision pour la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour nous tous ici. Rendons grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, mon cœur est toujours dans la joie. Merci au berger Théo, son épouse, toute l'équipe des coordinateurs, tous les responsables, vous tous ici, peuple de Dieu, qui avez choisi d'être fidèles à cette mission, que Dieu, le Dieu de la loyauté, le Dieu de la fidélité, vous comble et vous bénisse, et que chaque jour vous allez de gloire en gloire, de puissance en puissance et d'autorité en autorité. Alléluia. Comment recevoir l'onction et opérer dans la puissance du Saint-Esprit? Comment recevoir et opérer dans la puissance du Saint-Esprit? Je voudrais me recommander à vos prières pour commenter avec vous deux textes, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10,
Le verset 34 à 42. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 42. Je lis où vous souhaitez, je participe avec vous, je vous fais participer. On lit ensemble. C'est bon? Matthieu, c'est le Nouveau Testament. C'est ce sourire-là que je voulais. Alléluia. Vous y êtes? Vous y êtes? Are you ready? Ok. Super, ok. J'ai la grâce, j'ai l'honneur que mon berger puisse me faire cette lecture. Alléluia. Oh, j'aime tellement ce monsieur. Sa simplicité, vraiment, je suis fan de lui. Alléluia. Merci, berger. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Écoutez ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle. Dis, voisin, c'est Jésus qui parle. Comment recevoir l'onction et comment opérer dans la dimension de l'onction? Comment recevoir et opérer par la puissance du Saint-Esprit? Voici les conditions. Et regardez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 10, verset 34. On y va, s'il vous plaît. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. On peut être scandalisé. Jésus qui est un homme de paix, un homme de joie, un homme de concorde. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Bon, attendons la suite. On y va. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Mais l'épée. Dis, hé, hey, l'épée. Non, tu n'as pas entendu dire, hé, hey, l'épée. Non, tu n'as pas bien dit, hé, hey. Hé, hey, l'épée. Hé, hey, l'épée. Écoutez la suite. Car je suis venu mettre la division. Mettre la division. Entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère. Entre la belle fille et sa belle-mère. La belle fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi. J'espère que vous n'êtes pas venus ensemble. Si vous êtes ensemble, vous devez être en train de dire la prière ne commence pas bien aujourd'hui. Et l'homme aura pour ennemi. Et l'homme pourra pour ennemi. Les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Celui qui aime son père. Celui qui aime son père. Ou sa mère. Ou sa mère. Plus que moi. N'est pas digne de moi. Plus que moi. N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille. Celui qui est fond de son fils ou de sa fille. C'est mon café cacao. J'ai tout pour moi. J'ai tout investi sur toi. Tu as me tué. Tu me donnes tension. Celui qui aime son enfant plus que Dieu. Plus que moi n'est pas digne de moi. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut continuer? Il n'était pas à la prière. Pourquoi? Mon mari était, il avait sa figure façon. Je n'étais pas à la prière. Pourquoi? Mon seul enfant était malade. On va développer. Celui qui ne prend pas sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix. Et ne me suit pas. Et ne me suit pas. N'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie. Celui qui gardera sa vie, qui conservera sa vie. La perdra. La perdra. Et celui qui perdra sa vie. Celui qui fait des efforts pour Dieu, des sacrifices pour Dieu, s'abandonne dans les mains de Dieu. À cause de moi, la retrouvera. À cause de Jésus-Christ, retrouvera tout ce qu'il a perdu. Celui qui vous reçoit. Celui qui te reçoit, toi baptisé, toi confirmé. Me reçoit. Reçoit en même temps Jésus. Et celui qui me reçoit. Celui qui te reçoit Jésus. Reçoit celui qui m'a envoyé. Reçoit aussi le Père. Celui qui reçoit un prophète. Celui qui te reçoit en tant que prophète. En qualité de prophète. En ta qualité de prêtre, prophète et roi. Recevra une récompense de prophète. Est obligé de recevoir la grâce qui est attachée à ta vie. Et celui qui reçoit un juste.
Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, il n'est pas chrétien, il n'est pas baptisé, il ne croit pas en tout ce que tu fais, mais son cœur est juste, recevra une récompense de juste. L'ange qui l'accompagne le bénira à cause de la justesse qui le caractérise. Et à cause de la justice qui le caractérise. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, à l'un de ses disciples, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est envoyé de Dieu, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! J'ai pas entendu Amen! Ah, j'ai pas entendu Amen! Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, comment recevoir le Saint-Esprit? Et comment opérer dans l'onction de l'Esprit que nous avons reçu? Comment transmettre la foi? Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit? Mais dans la puissance. Voici les premières orientations que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous rappelle que le premier moyen de recevoir la foi, de recevoir l'Esprit et de pouvoir le transmettre avec force et puissance, c'est d'abord gérer la tension familiale. C'est pourquoi les garçons n'aiment pas se marier. C'est normal, ils ne sont pas prêts. C'est des enfants. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des femmes qui s'en font des enfants. Des gens qui courent partout, qui ne sont pas prêts à se marier. Mais elle veut marier le gars forcé. Elle sait que c'est un bébé. Elle dit, si on se marie, il va grandir, il va changer. C'est la fille qui est à côté, c'est pas de toi il parle. Le Seigneur nous dit, maman elle-même a ses problèmes. Et puis la fille, elle est intime de maman et elle va venir raconter à maman comment elle a rencontré un bébé. Maman prie pour elle-même sa guérison et maman doit prier pour la conversion du bébé avant de s'occuper de ses petits frères. Il y a des charges qui sont inutiles. Après cette prédication, tu as fait un choix. Amen a diminué. Suivez ton voisin, dis Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'il faut savoir gérer la tension familiale. Le Seigneur nous révèle que le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit et vouloir opérer dans la puissance du Saint-Esprit se fait dans la dimension de la foi. Or, selon ce que nous venons de lire, la foi crée des tensions. Et le Seigneur nous appelle à la fin, en parlant des récompenses, le Seigneur nous rassure et nous dit que la foi est plus importante que les tensions. Que dire alors des tensions? Comment suivre Jésus? Je vous donne une image. J'ai un ami qui est musulman. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Jésus l'a foudroyé. Il a donné sa vie à Jésus. Il a vécu les difficultés qu'on ne peut pas décrire dans sa vie. Parce qu'il a accepté Jésus. Il avait un seul problème. Lui, il était convaincu. Ses parents avaient un problème. Ses parents lui disaient, mais comment on va expliquer ça aux voisins? Comment on va expliquer aux autres? Je suis en train d'expliquer par une image ce que c'est que la tension dans une famille et les intérêts de la tension dans la famille. La foi qui nous conduit dans la puissance de l'Esprit obligatoirement divise. Le Seigneur nous appelle à rechercher la voie de Dieu. Le Seigneur nous appelle à chercher sa volonté et non des doctrines et des opinions. Plusieurs personnes
n'ont pas accepté la main tendue de l'Esprit de Dieu. Plusieurs personnes ont fait des cénacles. Plusieurs personnes ont reçu l'Esprit Saint. Plusieurs personnes ont reçu la chrismation, ont reçu la confirmation, ont reçu le baptême. Plusieurs personnes ont senti l'appel. Mais plusieurs personnes n'ont pas pu poursuivre leur appel à cause de cette intention. Du quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Mais qu'est-ce qui sera dit? Comment ça s'en sera réglé? Bon, moi j'abandonne tout. Jésus comprend. C'est bon même, c'est bon. Je reprends ma vie comme avant. La messe tous les jours, je vais à la maison. Prier en langue, je ne suis pas dedans. Prier comme ça, je ne suis pas dedans. Comment recevoir l'Esprit? Comment opérer? Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pour recevoir la qualité de la vision, pour travailler dans la puissance de l'Esprit Saint, il faut d'abord piétiner toutes les tensions familiales. Il y a des gens qui se cachent pour prier. Je ne suis pas encore prêt à affronter mon père. Je ne suis pas encore prêt à affronter ma mère. Ma maman qui m'a éduqué, là, elle est telle religion. Si elle me voit monter le sillon, je suis mort. C'est pourquoi quand des gens viennent, ils savent là à quel ça commence, mais ils préfèrent rester derrière. Ni vu, ni connu. Le moment de l'offrande, ils donnent toujours l'offrande à leur voisin. Va faire pour moi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, cette année, ce mois, cette semaine, sinon aujourd'hui, il te faut gérer tous tes problèmes de tension au niveau de la famille. Je ne peux pas venir tous les dimanches parce que ma go n'a pas les mêmes convictions que moi. Donc un dimanche, montant le sillon, un dimanche à la plage, le dimanche à la neige, le dimanche sur les terres Eiffel. Et puis je suis à la neige, j'envoie un message, je me connecte un peu. C'est comment là-bas? C'est comment là-bas? C'est comment là-bas? Dis à ton frère, sinon demande-lui, est-ce que tu es prêt à aller dans les hauteurs? Les hauteurs ont un prix. Travailler dans la puissance du Saint-Esprit a un prix. Opérer dans la puissance de l'Esprit a un prix. Jésus dit, celui qui n'est pas capable de régler ces choses élémentaires, il n'a qu'à se calmer. Les choses importantes comme ça, Jésus dit, c'est élémentaire. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Jésus, il faut nous comprendre. Comment on sent que Dieu nous appelle? Comment opérer dans la puissance? C'est quand toutes ces oppositions commencent à se réveiller. Toutes ces oppositions commencent à se clarifier. Et tout commence à nous mettre la pression. Du quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'on passera de moi? Combien de femmes ici ont peur de vivre la chasteté? Parce que si je me suis amusé à fermer les réseaux, le monsieur va partir. J'ai pris à monter les sillons, c'est vrai. Mais fais de moi ce que tu veux. Le dimanche, heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Oh, sang de Jésus. Oh, sang de Jésus. Seigneur, qui peut se tenir devant toi? Oh, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Jésus dit, comment opérer? Il te faut gérer ces tensions. Il te faut gérer ces tensions. On n'est même pas encore arrivé dans l'esprit. Hein, où il faut faire des prières par jour. Il faut prier en langue. On n'est pas arrivé là. La première chose, il faut que toi-même dans ta maison, tout le monde soit unanime. Quand on dit, il y a telle chose, tout le monde se réunit, tout le monde dit, si c'est lui, il faut le laisser. Afin de Dieu et tout dans son esprit. Ça fait que là où tu es arrivé aujourd'hui, on sait que tu as tous les pains de Marie. Tu as tous les pains du Saint-Esprit. Tu as fait tous les cénacles. Tu as les prières en langue que personne n'a déjà entendu. Mais, il y a des situations conflictuelles où tu es toujours convoqué. On dit, c'est comment pour les funérailles, c'est comment? Oui, c'est normal, c'est comment?
le pagne, on doit mettre dans le cercueil. Là. On dit, tu dois pisser dessus d'abord. Elle dit, aïe, elle pisser, c'est un problème. On va aller pisser. Mais le dimanche, je ne viens pas. Il est montant, le Seigneur, il ne vient pas. Il faut pisser en partie. J'ai pissé, voici ça. Vous ne comprenez pas bien. On va à des funérailles, on est emballé par certaines choses. On dit, bon, c'est la tradition. Si on ne fait pas, ils vont me le bave là 6 mois. Attends, on fait. Bon, sautez, saute le cercueil. Même à l'église, on ne saute pas. Si on ne fait pas, ils vont dire quoi? Jésus dit. Tu veux qu'on relise encore? Il faut bien relire la maison. Après la prière, tu envoies ça comme message à ton voisin. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pour opérer dans la dimension de l'esprit, Jésus veut que ton âme soit libérée de ce qui est problème pour les autres. On ne sait pas, on n'a pas bien compris. Opérer dans la puissance de l'esprit, ce n'est pas jeûner et prier. C'est régler les premières choses, les béabas. Est-ce que je parle à mon frère ici ce soir? Dieu nous veut totalement à lui. Pas à moitié. Pas un certain pourcentage. Mais le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Le Dieu d'alliance. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Là où il y a la main d'un homme dans ton affaire, il se retire. Tant que tu témoigneras et tu pourras dire, hey, merci tonton, à cause de maman j'ai réussi, à cause de mon grand-père j'ai réussi, mon grand frère a tout fait pour moi, Dieu va se retirer. Et d'abord il va te mettre une mise en garde. À cause de toi, il peut donner une tension à ta famille. Ton papa, ta maman, il peut avoir une poussée de tension. Et puis Dieu te met dans une situation qu'on appelle une situation de CIUSC. C'est en anglais, une situation de CIUSC. C'est une situation où tu sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. C'est un signe. Tu ne comprends pas. Tu continues de compter sur les hommes, de t'appuyer sur les hommes. Ne dépendre que des hommes. Il va le rappeler. On dit, tonton, demain, il ne s'est plus réveillé. Aïe, comment ça? Et nos projets qui sont dans sa main là, il est parti à ça. Vos yeux commencent à s'ouvrir. Regardez combien de fois Dieu a rappelé des personnes à cause de votre entêtement. Dieu veut te bénir. Mais toi, tu ne vois pas Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais tu vois Dieu en ton patron. Dieu en quelqu'un d'autre. La prière, montagne de Sion, dimanche. L'autre te donne le même rendez-vous, le même dimanche. Il dit, mais montagne de Sion, on fait ça tous les jours. Est-ce que tes yeux commencent à s'ouvrir? Nos convictions. En réalité, quand Jésus dit, je suis venu apporter les paix, c'est une image. Jésus dit, je suis venu apporter une conviction. Nos convictions sont comme l'épée. Nos convictions doivent désarçonner les gens autour de nous qui ne partagent pas notre vision. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu dois être convaincu que tu as fait le meilleur choix. Comment opérer dans la puissance du Saint-Esprit? J'ai une de nos sœurs. Elle a fait bac 4 fois, ce n'est pas passé. Elle prie en langue. Elle est conservée. Elle est chaste. La définition de la pureté, c'est la fille. Yeah! Garçon, la salue, la paix, le sang de Jésus. 4e échec. Son papa l'a fait asseoir, sa maman l'a fait asseoir. Petit 1. Prière, terminé. 4 échecs, tu enseignes, terminé. Église les dimanches, terminé. Petit 2, quand tu te réveilles, tu vas t'occuper de tout à la maison ici. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas pour toi.
Si Dieu est avec toi, bâcle, tu ne peux pas faire ça 4 fois. La fille veut pleurer. Quelque chose dedans d'elle dit, l'Esprit de Dieu lui dit, ne pleure pas. Dit, c'est mon papa et maman qui m'ont parlé. Il y a des parents, les parents te disent à 6 heures, de toute façon ça fait mal. On dirait que tu regardes un film. Ça tourne dans ton esprit comme ça. La fille se lève. Le lundi, elle décide de prendre le temps de jeûne. Elle va parler à Dieu. Elle parle à Dieu. Le Seigneur lui dit, va vers Cocody. Il y a un coin vers Cocody où on vend les masques, les bracelets, les choses bizarres là. Il y a un marché artisanal vers Saint-Jean. Voilà. Enfin, comme nous les gars, on appelle ça bizarre. Sinon, vous prenez ça dans vos maisons, c'est joli, joli. Voilà. La femme arrive. Elle voit un blanc qui est en train de parler avec quelqu'un, mais il s'en sort difficilement. Donc il parle anglais. How much? I say that. Elle dit, bon, mon petit anglais est quand même bac redoublé 4. Enfin, pas bac, comment on dit ça? J'ai terminal niveau 4. Terminal exponent. C'est ça, non, puissance 4. Bon, ça fait 4 années quand même, je fais. Un anglais intense quand même en terminale. Elle va prendre son petit anglais pour interpréter. He wants to say, elle s'est débrouillée, elle a fait la transaction. La transaction est finie. Le monsieur donne la carte, je vous ai dit qu'elle est sanctifiée. Il dit non. Le monsieur insiste. Il dit, tiens, demain, viens me voir. Il dit, non. Donc, elle me présente la carte. Le monsieur n'a pas mis tout ce qu'il fallait mettre. Il a mis seulement au fils quelqu'un d'important à l'ambassade des États-Unis. Mais n'a pas mis que c'était lui l'ambassadeur. Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas dit histoire. Ambassadeur de USA en Côte d'Ivoire, il parle un peu français? Il parle un peu quand même, un peu. Même c'est pas trop, un peu quand même, un peu. Il n'avait pas besoin d'interprète. Ce qu'il a touché, c'est la volonté de la fille de vouloir l'aider. Et maintenant, il va te faire le témoignage. Il dit, là où il a été marqué, c'est où la fille a montré que affaire de garçon, ce n'était pas dans sa tête. Aujourd'hui, je vous parle. La fille aux USA, à Angrela, elle a conçu 3 étages. Sans voir bac de Côte d'Ivoire. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu est en train de tracer un chemin dans ta vie. Mais pour atteindre le sommet, pour aller loin, pour évoluer, pour opérer dans l'esprit, il faut certains sacrifices. Il y a trop d'aventuriers de la foi. Tout le monde s'appelle chrétien. Et les mêmes chrétiens, tous ils vont en boîte de nuit. Vous ne dites plus amen. Un chrétien normal ne va pas en boîte de nuit. Je ne vous apprends rien. Parce que tu es né de nouveau. Parce que la boîte de nuit n'est pas un lieu où on développe la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es à boîte de nuit, et puis montagne et Sion, c'est la même chose. Il y a un moment où on fait l'adoration au Saint-Esprit. Non, demande à ton voisin, donc tu cherches quoi là-bas? Les femmes la disent, elles sont venues à leur gars, il faut appuyer, explique encore. Je pense qu'on est assez grand pour comprendre. Dieu ne veut pas des incirconcis.
Mais Dieu veut des gens convaincus et convertis. Quand on est converti, quand on est investi, le reste là, ça coule. C'est comme on est dans une brousse, on est dans une forêt, et puis on n'a pas, les bulldozers n'ont pas encore tracé la voie. Quand tu regardes la forêt, tu dis, mais route va passer où? Mais quand les bulldozers commencent à tout casser, et puis les gens de travaux publics commencent à dessiner la voie, et puis on commence à mettre le goudron, et puis on voit la voie, tu dis, mais je ne pouvais pas imaginer que de cette forêt-là pouvait sortir l'autoroute. C'est la même chose. Pour opérer dans l'esprit, pour ressembler au berger Théo, pour ressembler à notre papa Mathias Marie, pour ressembler à tous les coordinateurs, tu as besoin de montrer à Dieu que tu as fait ta part de sacrifice. Un mois chasteté, tu ne peux pas faire. Et puis tu as des rêves. J'ai un rêve. I have a dream. Un mois. Même les animaux ont des saisons. Si. Un mois. Dis voisin, un mois. Tu peux pas être coagulé pendant un mois. Et moi. Mais tu aimes les choses de l'esprit. Oh, j'aime l'atmosphère. Où on prie en langue. Rabababa. Mais un mois là. Dis voisin, un mois là. Si quelqu'un veut que je continue, qu'il me dise amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le deuxième. C'est ça, on a fait une première partie. La deuxième partie, la puissance de l'esprit. Comment opérer? Allons rapidement dans Actes des Apôtres chapitre 1, dans Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 1 au verset 7. Quelqu'un a trouvé? Et moi, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de gasoil. Jamais. Prends un jeu, c'est comme animal, quoi. L'onction n'aurait pas dû. Poche là. Lui vient dans nos prières comme les gens. Attention, il y a les prières de la foi.
n'est pas parce que tu l'as vu deux fois la montagne de Sion que c'est ton âme sœur. On continue, une ancienne parenthèse. Paul et Silas. Ils arrivèrent à Thessalonique. Où les Juifs avaient. Les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats. Pendant trois dimanches. Il discuta avec eux. Il a parlé avec eux. D'après les Écritures. Selon les Écritures. Expliquant. Il a expliqué. Et établissant que le Christ. Devait, il a fait une belle catéchèse. Devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que vous annonce, disait-il. C'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Beaucoup de femmes de... Non, ça existe des femmes de qualité. Des hommes doivent être convertis. Ils pointent sur toi, ça ne passe pas. Je t'invite à manger, ça ne passe pas. Je t'invite à dormir, ça ne passe pas. Je t'invite à boire, ça passe pas. Il y a femme et puis il y a femme. Hein. Un mois. Tu ne connais pas quelqu'un, ça fait un an, il t'a embrassé. C'est quoi ton projet? Et puis après, tu vas fatiguer le berger. Il faut convoquer mon chéri. Il faut lui parler. La dot là. Il faut lui... Est-ce que quand vous embrassez, il était là? Non, il y a des pressions inutiles. Non, il y a des dossiers, je ne sais pas. Quand les jeunes viennent embrasser, hey, allez voir les bergers, pardon. Je cherche à bâtir le ministère, des choses sérieuses quoi. Oui, continuons, pardon. Mais les jeunes, juifs... les jeunes, ils m'énervent un peu quelquefois. Non, les jeunes, ils peuvent te donner cancer. Les jeunes, Seigneur, ta grâce. Nous, on a vieilli. Allez-y. Mais les juifs jaloux. Les juifs! Jaloux. Faut remplacer juif par chrétien. Mais les chrétiens jaloux. Les chrétiens, il y en a. Pourquoi tu vas toujours prier? Pourquoi tu pries à 3 heures? Bizarrement, les gens sont d'accord. Tu vas en gasoil jusqu'à quand tu viens te saouler, il ouvre la porte. Tu vas en gasoil jusqu'à 2 jours, 3 jours. Ils ne sont pas inquiets. Mais il faut le dire à la maison. Je prie maintenant la montagne de Sion. Jésus a touché mon cœur. Il faut rentrer à 19h. Pourquoi tu es en retard? Mon portail se ferme à 21h. Pas plus. Tu dis, mais papa, maman, il y a quel problème? Tu voulais que je change. Dieu a touché mon cœur. Maintenant, après la prière, on fait le rangement, on doit faire le service. Quelquefois, tu te poses la question. Il y a aussi des personnes qui jalousent vos talents. Vos grâces et vos charismes. C'est la même chose avec Joseph. Le petit Joseph. Comment développer l'onction? Joseph ne savait pas qu'il ne fallait pas trop parler. Hé, grand frère, j'ai fait un songe. Le songe là, c'était chic. Un chic songe. Mais le songe là, là partout c'était plus chic là. Vous étiez en bas, j'étais en haut. Il dit ok. 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 Ok, ce songe-là, on va le gérer, ce songe-là. Deuxième songe. Grand frère, tu es mon aîné, je ne peux rien te cacher. J'ai fait nos songes. Un songe, vous tous étiez malades, et puis c'est moi qui vous soignais. Il dit, ok. Le jour où Joseph va se rendre compte, ils ont creusé, puis ils l'ont mis dedans. Comment opérer dans l'onction? Savoir fermer bève là. Oui, savoir fermer la bouche. Amen. Si la bouche, faut. C'est pas ce qu'il a dit. Si. Faut savoir se taire. Combien de vos projets ont été dévoilés? Depuis que j'ai pris la montagne de Sion. Et tantis, je t'ai dit, je voyage bientôt. Voyage là. Tu vas rester ici. Comment opérer dans l'onction? Savoir se taire. Savoir se taire. Il y a des gens qui veulent montrer qu'ils ont beaucoup de grâce, beaucoup de talent.
J'ai rêvé, tu étais morte. J'ai compris. J'ai rêvé, je ne peux pas garder, c'est plus fort que moi. Ça me brille, ça me brille, ça me brille, ça me brille. Si je ne partage pas à toi. Non, 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 c'est faux, ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas t'exposer. Si tu t'exposes, tu n'es pas mature. On va t'allumer. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est avec les mentors qu'on partage les songes. Quelqu'un qui ne peut pas te vouloir du mal. Quelqu'un lui-même qui t'introduit dans la foi. Quelqu'un qui est garant de ta vie. On n'explique pas tout à tout le monde. On va finir la lecture rapidement, on va prier. Mais les juifs jaloux. Les juifs jaloux. Prient avec eux. Les chrétiens jaloux, ça existe. Ne soyez pas naïfs. Des gens qui n'aiment pas entendre votre nom. Des gens qui parlent, ils sont parlables avec vous comme s'ils te connaissaient avant. Ton nom est devenu un problème dans leur bouche. Il y a des lieux où tu n'es pas arrivé, mais ton nom t'a déjà dévancé. Il y a des gens qui ont un ministère de mort. Si tu te poisses, même le sang de Jésus ne peut pas te rétablir. Nos bouches sont devenues les cimetières de nos frères. Comment opérer? Il faut purifier la bouche. Il faut travailler la bouche. Écoutez la fin, s'il vous plaît. Mais les juifs jaloux prient avec eux. Prient avec eux. Quelques méchants hommes. Quelques qui? Méchants. Quelques gentils hommes. Les chrétiens, là, ils savent qui peut vous détruire. Ils savent qui peut vous détruire. Le diable a envoyé un DJ venu en certaines filles qui a décidé de donner sa vie à Dieu. Le diable est fort, mais pas puissant. Des choses peuvent arriver comme ça dans vos vies. Et puis quelquefois, la chanson des femmes là. Mais si Dieu qui voit tout, qui sent tout, qui entend tout, pourquoi il a permis que ça arrive? Où tu es parti là? Il t'a envoyé là-bas? Où ça a commencé là? Est-ce qu'il t'a envoyé là-bas? Ça, c'est un discernement. On ne peut pas faire nos erreurs et puis les imputer à Dieu. Ils ont pris des gens méchants. Dans le corps du Christ, il y a des gens qui sont méchants. Naturellement méchants. Des gens qui ne supportent pas qu'on parle de toi. Des gens qui ne supportent pas qu'on dise ton enfant a réussi. Des gens qui ne supportent pas qu'on dise tu as changé de chemise. Des gens comme ça, naturellement. Méchants, mauvais. Ça existe. Ça existe. Jésus a fait du bien à tout le monde. Il a ressuscité les morts. Il lui a donné à manger. Quand les gens méchants se sont associés à eux, ils sont venus l'arrêter. Il dit, mais qui cherchez-vous? J'étais avec vous tous les jours. Vous me cherchez, vous ne savez pas où je suis. Dis à ton frère, dis attention, ne sois pas naïf. La vie de l'esprit respecte certaines réalités. Je vais laisser le berger finir. Quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandit l'agitation dans la ville. On provoque les agitations et on sait rassembler les gens. Les gens de faux profils. Et puis on voit les débats. Montagne de Sion là-haut. On doit s'habiller comment maintenant même. Et puis c'est sur tous les réseaux. Les gens commentent. Vous pensez que c'est des païens? C'est pas des païens, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. C'est pourquoi j'ai commencé en disant il faut la responsabilité. Les filles viennent à la prière, c'est les filles qui créent tous les problèmes. Elle entend la parole, elle donne sa vie à Dieu, elle veut marcher dans la vie de l'esprit. Elle rentre à la maison, il faut avoir soit le morgue, tu vas lui parler. Tchéba, j'étais à la prière, prière là, ça m'a sciencé. Prière là, j'ai pris des décisions. Je veux ranger ma vie, il faut m'aider, il faut avoir le courage de lui dire. Mais tu sors de la prière, tu dis, papa Mathias m'a dit, non, ce n'est pas l'homme. Il y a, c'est un esprit. Il faut que les problèmes, monsieur. Et puis c'est maintenant l'esprit qui a sa décision. Ah non, il a trop prêché. Non, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Il nous a parlé de, toi tu n'es pas changé là. On n'a qu'à se séparer. Il n'a pas dit ça.
Le pauvre monsieur, on va commencer à l'attaquer partout, partout, partout. Et puis on ne comprend pas. Dieu, c'est toi qui es la base de nos problèmes. Dis à la femme qui est à côté de toi et au garçon qui est à côté de toi. Dieu, c'est toi qui es la base de nos problèmes. Comment opérer? Comment travailler? Est-ce que vous voyez que je n'ai pas encore touché l'aspect spirituel? Mais je suis en train de toucher seulement l'aspect sociologique. La vie de tous les jours. La réaction qu'on doit avoir. Si on a la réaction qu'il faut, on peut rentrer dans la vie de l'esprit. Mais on ne peut pas sauter CP1 pour aller faire 6e. Comment opérer? C'est pas seulement parler en langue. Mais avant de parler en langue, si je n'ai pas arrangé ma vie, à quoi ça sert? Avant de prier, prendre des temps de jeûne, casser, briser. Si moi-même, je ne suis pas convaincu qu'il me faut remettre de l'ordre et assumer mon titre, mon rôle et ma mission de chrétien, je n'ai rien compris. Je dois avoir la claire vision de mon identité. Quelles sont les exigences du baptême? Quelles sont les exigences de la confirmation? Qu'est-ce que je dois faire en tant que missionnaire? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Le problème est réglé. Le problème est réglé. Mais tout ça, ce n'est pas réglé. Je prie en langue, j'enseigne les femmes. Je connais tous les cantiques. Je ne rate pas funérailles. Les DJ me connaissent plus que les autres DJ. On chante mon nom dans tous les cantiques. Quand je viens à l'église, on fait louange, adoration. Il y a les gens bizarres, on dirait des zombies. C'est là, ils sont bêtes, bêtes. Hein? Mais quand ils rentrent en boîte de nuit, oh, et ils sont la fête, ils disent, Seigneur Jésus, c'est papa de quelqu'un, c'est papa de quelqu'un. Envoie-la à prier. Il va croiser son pied, tu l'as. De quoi les gens parlent? C'est quoi cette chose-là? Si jamais tu as pris un chant, on dit folie, folie, folie. Oh, il est convaincu. Vous êtes tous envoûtés et doctrinés. Vous êtes endoctrinés. C'est pas possible. Mais en bois de nuit, les gens qui ne connaissent pas ça s'assoient sur son pied, ça c'est normal. En bois de nuit, ils jouent avec les filles qui ne connaissent pas, c'est normal. Ce soir, Dieu va rétablir la vérité dans ton esprit. Si on ne vous prêche pas comme ça, là, vous allez aller voter pour nous mettre en brousse encore. Quelqu'un m'a entendu? Regardez ce que la parole dit. La parole de Dieu est claire, elle est simple, elle est nette. Je vais permettre au berger de finir. Pardon, pardon, je ne t'arrête plus, pardon. Les gens sont méchants. Et puis les gens sont étonnés. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu là, vraiment les gens me perturbent. Les gens me persécutent. C'est où on a qu'à te persécuter? Mais c'est dans l'œuvre. C'est pour tout ça là. Moi je n'aime pas la vie en Christ. La vie simple. Les dimanches je vais à l'église. Messe tranquille. Ni vu ni connu. C'est correct. C'est parfait. C'est bim. C'est dans la boîte. Ok, c'est bon. Dis au voisin qui est à côté de toi là. Bluffing en Jésus là, c'est terminé. Le temps est arrivé où toi, tu dois remettre de l'ordre dans tout le quartier. Les gens n'ont qu'à dire, mon temps est Sion là, moi mais je veux aller aussi. Mon gars l'a damé sur moi. Il a damé sur l'autre gars là. Et puis il ne boit plus, il ne fume plus. Chier, Dieu peut faire ça. Oui, Dieu peut le faire. Mais on a montré Jésus plaisanté aux gens. On dit, venez à prier, on dit, ah, attendez, attendez, attendez là. C'est quoi, je vous parle quoi? Non, mais ça suffit. Comment opérer dans l'onction? Qui est prêt? Ah, les mains ont diminué. Aïe. Aïe. Levez un peu les mains, pardon, encouragez-moi, pardon.
non, les jeunes doivent être convertis. Si les jeunes sont convertis, notre pays est sauvé. On est en train de préparer une génération de DJ, de danseurs, de footballeurs qui n'arrivent jamais en demi-finale. Vraiment, c'est pas bon. Non, revenons à la parole, s'il vous plaît. Revenons rapidement à la parole. Et attention, je dois circuler librement, s'il vous plaît. On y va, s'il vous plaît. Ils se portèrent à la maison de Jason. Et ils cherchèrent Paul et Silas. Ils cherchaient Paul et Silas. Ils sont allés dans la maison de quelqu'un qui les connaissait. Pour les amener vers le peuple. Pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés. Ne les ayant pas trouvés. Ils traînèrent Jason. Ils ont pris celui qui prie avec eux là. Et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ils les ont conduits en erreur. Ils les ont induits en erreur. En criant. En criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Voici les gens qui ont bouleversé le monde. Sont aussi venus ici. Les gens qui ont transformé le cœur des jeunes. Les gens qui ont parlé aux chrétiens, aux papas, aux mamans. Les gens qui ont prêché dans les villages. Les gens qui ont parlé aux cœurs les plus endurcis. Vous les avez laissés venir jusqu'ici. Vous les laissez développer leur ministère. Mais tous les jeunes seront touchés. Mais les chrétiens vont changer. Attaquons-les sur leur propre base. Suscitons dans l'église. Suscitons des opposants dans l'église. Suscitons des gens qui aiment des problèmes dans l'église. Mettons-les dans les ministères. Ils viennent, ils font retraite, ils font quarantaine. Ils sont assis là. Tu ne sais pas s'il est venu, s'il n'est pas venu. Il est opposant. Tu dis quelque chose, il dit l'autre. Il pense à l'Assemblée nationale. Le curé prêche. Pendant que le curé prêche, il fait le mélie. Il se lève, il sort. Je ne suis pas d'accord. Ah non, non, non. Tu penses que tu es où? Tu touches ton voisin, touche ton voisin. Tu penses que tu es où? Comment opérer dans l'esprit? Comment travailler dans l'esprit? Si ces choses les plus simples, les plus élémentaires, ces choses simples ne sont pas réglées, comment Dieu va commencer à te donner les visions? Voici le problème. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les hommes sont troublés parce qu'ils ne peuvent pas évangéliser tranquillement. Comment opérer dans la puissance de l'Esprit Saint? Apprends à évangéliser déjà autour de toi. Moi, mon cœur est content, hein? mon cœur est dans la joie. Il y a nos frères à côté, eux n'ont pas besoin de permission. Ils sont à un carrefour, ils prêchent. Même si tu n'entends pas, ta vie est fermée, tu le vois et c'est qu'elle suit. Il est en train de prêcher. Toi, tu sais qu'il est en train de prêcher. Ça, là, j'encourage ça. Je préfère, entre parenthèses, hein, je dis ça, je ne dis pas même, c'est bon. Je préfère la multiplication de ce genre d'actions par rapport au nombre de bois de nuit qui se créent. Au nombre de maquis qui pullulent. Ça, j'encourage. Mais c'est le même chrétien catholique qui va passer à côté. Comme il ne peut pas faire, c'est la même là. Ah, ils exagèrent. La Bible dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte. Où tu es là? Tu as fermé ta porte? Tu es à la maison? Tu n'es pas venu prier? Ce n'est pas la même Bible qui dit, si tu veux prier, reste chez toi. Et où tu es ici? C'est chez toi. Donc il faut être sérieux. Il faut passer à une autre étape. Notre destinée est en danger. Comment évangéliser les jeunes cadres dynamiques? Tu es étudiant. Tu es aux études. Tu as 4 go. Sans salaire, 4. On te prend en stage, tu as 8. Et si tu es embauché? Maintenant, à 50 ans, 60, tu t'en vas à la retraite, tu commences à maudire les sorciers. Je n'ai pas pu réaliser quelque chose. Quand tu as 12 foyers, tu peux réaliser quoi? Quand tu regardes tout l'argent de capote là, ça pouvait construire un meuble. Comment évangéliser? Comment opérer dans l'esprit?
quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il le faut. Il faut des hommes pour opérer dans la puissance de l'Esprit Saint. Des hommes qui opèrent selon la pensée de Dieu. Pas la pensée des hommes. Pas les gens qui ont peur du quand dira-t-on. Les gens qui s'assument. Je connais une de mes filles. Elle a un seul pantalon. Pantalon, les femmes ont beaucoup, beaucoup là. Pantalon qui ne coûte pas cher. Tellement ça ne va pas cher, elle a un seul pantalon. Mais je t'assure, maman, elle n'a jamais envié notre fille. Où elle est gênée. Et c'est le même pantalon que je mets tous les jours. Elle met ses pieds, elle danse tous les jours. Opérez bien, mes frères. Comment opérer? Comment opérer? Ça fait mal. Tu es assis à la télévision. Tu veux regarder la télévision avec tes enfants. Et puis féticheur maudit s'assoit dans ta télévision et dit que je suis sorcier positif. Moi je fais du bien. Je suis dans telle région. Et puis sorcier fait porte à toi. Sorcier qui s'est caché avant. Aujourd'hui, à Abidjan, sorcier partout. Ils ont des affiches partout. Ils ont collé partout. Voyez net. Tu veux voyager, j'ai son argent. Tu veux travailler, j'ai son médicament. Tu veux tant, j'ai son médicament. Tous les jeunes là qui sont assis, ils vont là-bas. J'ai dit au feu, il faut les entendre mémoriser les téléphones. Ils ont mémorisé. Marabout maudit. Comment opérer? La prostitution a changé de forme. Aujourd'hui, quand on lutte pour mettre nos jeunes filles au campus, dans les cités, on pense que c'est parce qu'elles n'ont pas l'argent pour aller à la maison. Mais Dieu sait comment elles se prostituent dans les cités ici. Mais dimanche, chacune met sa croix. Nous élevons nos mains vers toi. Ah, vous aussi. Vous aussi. Comment opérer? Il nous faut changer ses comportements. Il y a une de mes filles qui a lutté pour entrer en cité. Elle a fait 3 mois, elle est ressortie. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, papa, je préfère marcher pour aller au cours. Qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire en groupe. C'est une fille timide. Regardez comment les jeunes sont dans la drogue. Nos enfants qui doivent devenir des héritiers, des héritiers. Qui doivent nous bâtir, nous construire. L'enfant marche, on dirait un mongol. Mais puis on ne dit rien. On sait que ça existe dans les écoles. On sait que tout le monde vend la drogue dans les écoles. On sait que tous les enfants ont ça. Et dans tous les parents qui ont les jardins, les enfants plantent ça dans les jardins. Puisque les parents ne descendent jamais dans les jardins. Ils sont juste dans les escaliers, voici ton argent de poche, voici pour papou, voici pour bambou, voici pour papou. Bon, allez, on y va. Il descend dans un garde du corps, il est parti. Pour lui, il a réussi. Mais c'est ça comment évangéliser. Ça va travailler en famille. Ça va prier en famille. Prendre du temps pour les enfants. La dernière fois, j'étais à la maison, j'ai dit à la maison, ma fille m'a eu. J'ai dit aujourd'hui, c'est soirée, tout le monde est là, on ne bouge pas. Ma fille de 7 ans est venue dire devant tout le monde, papa dit quoi? Papa dit quoi? Il dit quoi? Elle dit, il dit quoi? Qu'on a sorti. N'allez pas dormir, n'allez pas dormir. Ça m'a fait mal. Non, voilà, ça m'a fait mal. Si. Je l'ai appelé de côté. Je sais comment ça va. Allez, papa, ici là, est-ce qu'on sort? Quand il dit qu'on a sorti là, allons à prière. Est-ce qu'on sort? Ça m'a fait mal. J'ai annulé tous les programmes, les gens qui m'attendaient.
Je les ai soulevés. Le jour, je me suis amusé comme un enfant. Je roulais comme ça. Je la voyais contente, épanouie. Je la voyais. Je sentais qu'une onction montait dans son cœur comme ça. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Comment évangéliser? Ma fille est partie à la maison, à l'école. Sa maîtresse m'a appelé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre fille est en joie. Elle dit que vraiment, vous êtes sortis la semaine. Le week-end, elle était en joie. Elle ne fait que raconter à tout le monde. Mon papa, modérateur, AMP. On a sorti, on a dansé, modérateur, AMP. Maintenant, elle rentre à l'école, je vous assure. Elle dit à ses maîtresses, je suis la fille de modérateur, AMP, modérateur, AMP. Mais tous les jours, elle passait là. Donc c'est aujourd'hui, ma fille est fière de moi. Comment évangéliser? Aïe! Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Dieu veut des prophètes authentiques. Des gens qui comptent sur lui. Des gens qui ne dépendent que de lui. Quand vous dites oui à Dieu, le Saint-Esprit se met en marche dans chacune de vos vies. Je vais vous inviter à vous tenir debout ce soir. Je vais vous inviter à passer à autre chose. Je vais vous inviter à grandir dans la foi. Je vais vous inviter à comprendre que quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, Dieu ne vous abandonnera jamais. On va reprendre ce cantique que nous avons pris tout à l'heure. Et chacun va d'abord demander pardon au Seigneur. Chacun va supplier le Seigneur. Et chacun va prendre des résolutions. Comment opérer dans la puissance du Saint-Esprit? Comment se laisser guider par le Saint-Esprit? Comment laisser Dieu gérer notre vie? La première action que nous allons faire, c'est une action de repentance. Seigneur, nous n'avons pas écouté ta voix. Nous l'avons entendue. On sait ce que tu attends de nous. Mais l'atmosphère ne nous a pas aidés. La vie familiale ne nous a pas aidés. La vie étudiantine ne nous a pas aidés. La vie en famille ne nous a pas aidés. Le quand dira-t-on ne nous a pas aidés. Nous, on pensait qu'il fallait faire 7 ans, 8 ans à la montagne de Sion pour prendre conscience. Pourtant, on nous a enseigné à la catéchèse que par la confirmation, nous sommes déjà en mission. Tout ça, Seigneur, nous le savons. Mais aujourd'hui, nous prenons conscience d'une autre réalité. Ensemble, élevons la voix et supplions le Saint-Esprit. Demandons-lui pardon et prenons de nouvelles résolutions. Parlons au Seigneur. 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 Il y a transfert. Parlons au Seigneur. Entre ciel et terre. Oh, parle à Dieu ce soir. Quand il descend. Oh, parle à Dieu ce soir. Oui, tout s'arrête. Oh, parle à Dieu. Il y a transfert. On a manqué d'audace. Ciel et terre, j'ai manqué d'audace. Quand il descend, j'ai manqué d'audace. Oui, tout s'arrête. J'ai manqué d'audace. Il y a transfert. Ciel et terre, entre ciel et terre. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Change-moi, Seigneur, bouleverse.
Saint Irénée nous dit, la gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Dieu nous a restaurés. Jésus nous a restaurés par son sang. Jésus nous a réellement pardonnés. Je vous invite maintenant comme un seul homme. Je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Si tu connais ce cantique, je t'invite à le chanter de tout ton cœur. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus dans ton esprit. Pendant que tu vas prier, si le Seigneur, si le diable t'inspire des paroles, des choses pour regretter, ne rentre plus dans cette histoire, ne rentre plus dans cette atmosphère. Garde la foi en Dieu. Regarde Jésus mort à la croix. Regarde Jésus qui te tend l'esprit. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner. La chose la plus importante, c'est de savoir lui ouvrir nos cœurs. C'est déjà fait. La porte est déjà ouverte. Lèvons donc nos mains et recevons l'Esprit Saint. Pendant que nous chantons, laissons le Saint-Esprit nous remplir avec le cœur, avec nos frères, nos sœurs. Chantons ensemble. Oui, tout s'arrête. Pendant que tu chantes, il y a transfert. Demande le renouvellement entre ciel et terre quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Je veux t'inviter maintenant que ceux qui prient en langue élèvent la voix et prient en langue. Que ceux qui prient avec leur intelligence élèvent la voix et prient avec leur intelligence. Dis au Seigneur, je veux opérer dans une nouvelle dimension. Je veux opérer dans une nouvelle dimension. Je veux opérer dans une nouvelle dimension. Va plus haut. Va plus haut. Va plus haut. Va plus haut. Va plus haut.
Va plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Ramaya rebe. Je veux aller plus haut. Raya rabaya. Les mains plus haut. La puissance du Saint-Esprit va t'investir. Tu te poses souvent la question de savoir, est-ce que tu es appelé à ce sommet? Je ne sais pas où tu es. Localisez-les. Je vois comme des étoiles. Des personnes qui doivent tirer leur famille vers le haut. Je ne sais pas comment tu es venu ici. Mais pendant que je parle, au son de ma voix, la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es. Le Saint-Esprit veut réellement t'envoyer dans les hauteurs. C'est la vérité. Tu n'as pas imaginé ta vie de cette façon. Tu n'as pas pensé que Dieu allait travailler avec toi. Mais pendant que tu entends ma voix, il te localise. Il te localise. Et il te donne l'onction pour la hauteur. Aidez ces personnes. Dieu te voit là où tu es. De ma gauche jusqu'à ma droite. La puissance du Saint-Esprit. Recevez. Recevez. Recevez.
Recevez! 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 Voilà! 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 Envoie-le plus haut! Envoie-le plus haut pour ton œuvre! Plus haut! Plus haut! Plus haut! Plus haut! Seigneur, identifie-les! 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 Ils ont entendu ta parole! Merci pour ton choix sur leur vie! Merci pour ton choix sur leur vie! Merci pour ton choix sur leur vie! Je vois dans mon esprit 10 personnes qui sont comme en train de résister à l'appel. Tu te poses la question, est-ce qu'il s'agit de moi? Pendant que je donne cette parole, l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Reçois ta part! Reçois ta part! Reçois ta part! Allez! Recevez! Recevez l'onction! Recevez l'onction! Recevez l'onction! Tu vas le faire, tu réussiras. Tu bouleverseras des vies, c'est la vérité. Cela se fera. Tu bouleverseras des vies. Tu m'écoutais, tu m'entendais. Tu dis, Seigneur, qualifie-moi pour ce travail. Oui, Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Il veut des prophètes des temps nouveaux. Comment opérer dans l'onction? Comment opérer? C'est d'abord dire oui à Dieu. Et quand on dit oui à Dieu, on se met en marche. Père, voilà, voilà, voilà. À la radio, à la télévision, là où ils sont, voilà, voilà, voilà. Comment opérer? Comment opérer? Voilà, voilà, voilà. Merci Saint-Esprit. Je vous invite à faire attention. Je vous invite à faire attention. Je sens dans mon cœur comme une rage. Faites attention, service de sécurité. Je sens dans mon cœur comme une rage. Il y a des personnes que Dieu va utiliser de façon authentique. My God! Ils ne vont avoir peur de rien. Des prophètes authentiques. Je le dis, c'est la vérité. Recevez! 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 Voilà! Rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Va plus haut. Va plus haut. Désire cela. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Les malades guérissent. Les malades guérissent. Merci Jésus. Continue de prier là où tu es. Continue de prier. Élève la voix, prie en langue. Dis merci à Dieu. Prie. 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 Le Saint-Esprit. Prie. 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 Prie.